Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un plat traditionnel algérien spécialement kabyle. Donc ici, c'est un plat qu'on appelle ce qu'on appelle tevazint. Donc ici, j'ai des fèves cassées. J'ai mis un peu d'huile neutre et j'ai ajouté donc là un peu d'eau, donc environ une louche. Faut remuer de temps en temps et laisser cuire. Vous devez le laisser cuire et le surveiller, bien sûr. Faut le remuer de temps en temps pour ne pas que ça colle au fond de la marmite. Donc ici, on va continuer avec les autres ingrédients. Donc ici, j'ai Berkoukes. Je ne sais pas si vous voyez bien comment il est. Donc, j'ai juste celle-là. Là, j'ai donc une botte d'échalotes. Enfin, c'est une botte, c'est leur feuille que je vais couper. Là, j'ai une botte de feuilles de fèves. Une botte de feuilles de navet, c'est pas les fèves. Là, j'ai environ deux bottes d'épinards que je vais couper aussi. Et là, j'ai environ presque deux bottes d'échalotes. Donc, les feuilles, je les ai retirées. Je vais les couper. Ceux-là aussi, je vais les couper. Donc là, il manque deux ingrédients que je vais ajouter tout à l'heure. Donc les pois chiches et les fèves, je vais les ajouter après. Vous allez voir quand je vais continuer donc, de préparer la recette. Donc ici pour les fèves, à chaque fois que vous voyez que l'eau que vous avez ajoutée donc, s'est évaporée, vous ajoutez une louche jusqu'à deux louches d'eau. Tout en continuant à mélanger comme ça pour ne pas que ça colle au fond de la marmite. Bien sûr, faudra vraiment ajouter de l'eau à chaque fois. Il ne faut pas en mettre beaucoup d'un coup. Et dès que, vous allez juste voir quand je vais préparer donc maintenant le reste de la recette. Ici, dans un autre récipient, je mets donc le balcoques. Je vais mettre un peu d'huile et je vais laisser absorber. Donc là, j'ajoute l'huile d'olive. Je vais ajouter un peu d'eau. Donc je mélange d'abord ça. Donc, je vais ajouter de l'eau. Déjà, il faudra laisser sécher. Donc ici, il faudra le mouiller comme ça, comme je fais maintenant. Et le laisser sécher. Puis après, je vais le faire donc cuire à la vapeur. Donc ici, je prends les épinards. Quand c'est des feuilles comme ça, avec leurs petites branches fines, donc je les laisse comme ça. Mais quand c'est donc des branches épaisses, donc je coupe en deux ou en trois, ça dépendra de sa taille. Donc comme celui-là aussi, il est épais, je coupe en deux, enfin c'est en trois. Et là, je vais commencer à couper donc mes épinards finement. Je vais essayer de couper petit
Bien sûr, je préparais pour les autres ingrédients, comme l'échalote, leurs feuilles et avec... Donc, quand je vous ai dit les feuilles de navet, et avec les navets aussi, je vais les couper en petits morceaux, comme je fais ici. Faut pas oublier, donc avant de couper, il faut bien laver vos légumes, vos épinards, les échalotes, donc leurs feuilles et les navets aussi. Faut bien les laver pour enlever donc s'il y a des saletés ou quoi que ce soit, puis les couper. Et donc là, moi je vous ai donné donc les quantités, donc une quantité un peu plus élevée. Vous pouvez diminuer pour ne pas avoir une grosse quantité à faire. Donc maintenant je vais couper aussi donc l'échalote, donc les feuilles d'échalote. Bien sûr, je les ai lavés aussi. Donc, je prends une quantité, comme vous voyez ici, et je coupe. Je fais pareil pour le reste, des légumes. Et je reviens après pour continuer donc, le reste de la recette. Donc ici, vos fèves, quand vous les voyez comme ça, c'est que c'est cuit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il faudra mettre de l'eau chaude. Et remuer. Bon. Donc les fèves, faudra qu'il je sais pas comment dire, mais faut que vous les voyez fondre. Je sais pas si le mot est exact, mais normalement je vous ai montré maintenant. Faudra mettre de l'eau chaude. Donc là, dès que l'eau va bouillir, on va mettre donc nos légumes coupés en petits morceaux. Donc ici, j'ai les navets que j'ai coupés en petits morceaux aussi. Là, j'ai l'échalote que je vais couper aussi. Donc tous les légumes, faudra les couper ainsi. Donc, je vais continuer à couper. Je voulais vous parler d'autre chose, ce que je vais faire maintenant. Donc, je coupe ça. Donc, dès que je finis, je mets donc mes légumes dans la marmite. Donc ici, j'ai oublié de vous dire, faudra ajouter donc une cuillère à soupe de tomates concentrées. Moi, j'en mets deux, vu que j'ai doublé les quantités. Donc pour vous, si vous mettez donc la moitié des quantités que je vous ai citées, vous mettez qu'une cuillère à soupe de concentré de tomates. Faudra la faire dès le début avant de mettre l'eau dans la marmite. Moi, je l'ai juste oublié, c'est pour ça que je la mets maintenant. Je vais ajouter donc les tomates, 2 à 3 tomates que j'ai râpées avec une gousse d'ail. Donc ici, je m'excuse si vous ne voyez pas très bien vu que la vapeur dérange un petit peu, mais... Donc maintenant j'ai mis donc les épinards, j'ajoute donc les feuilles de navet,
Donc maintenant j'ajoute les feuilles d'échalote. Donc ça c'est encore c'est toujours donc l'échalote. Donc ici, je vous répète, c'est que moi j'ai mis une grosse quantité. Vous pouvez mettre moins pour avoir une petite quantité. Je vais ajouter donc les navets, couper en petits morceaux aussi. Donc ici, je vais laisser un petit peu commencer à cuire, diminuer donc la quantité des légumes que j'ai fait. Pour mettre après donc les épices. Donc pour les épinards, c'est très facile à cuire. Donc maintenant, je reviendrai après dès que ça diminue un petit peu la quantité. Ici, donc, j'ai mis le beurre cocresse dans la couscoussière. Dès que ça a séché, on met dans la couscoussière. Bien sûr, il faudra avoir la marmite, la couscoussière. Faut mettre un peu d'eau. Dès que ça chauffe, vous mettez la couscoussière dessus pour faire cuire le beurre cocos à la vapeur. Donc là, je vais mettre moi le mien dessus. Comme ça, et je laisse cuire. Donc ici, dans la marmite, comme vous voyez, donc le volume des légumes que j'ai mis tout à l'heure, c'était un petit peu plus que ça. Et dès que, avec la vapeur et la cuisson, ça diminue donc du volume, on ajoute le reste des légumes. Si vous voyez que vous n'avez pas encore de place, vous mettez pas tout en même temps. Vous mettez petit à petit quand vous voyez que ça redescend un petit peu du volume des légumes. Ici, j'ai donc les épices, sel, poivre noir, curcuma, ras el hanout ou mélange d'épices, paprika. Donc, je mets le tout. Vous, les épices, vous mettez selon le goût et selon la quantité que vous mettez. Donc là, c'est un plat à base de légumes. Il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de viande, il n'y a pas quelque chose de mauvais pour la santé. Voilà, donc je mélange. J'ai oublié donc de vous expliquer concernant les pois chiches. Ceux qui ont les pois chiches déjà cuits ou pré-cuits, vous le mettez bien après. Moi, je vais le mettre maintenant. Le mien est pré-cuit. Là, concernant ceux qui ont les pois chiches qui ne sont pas cuits du tout, vous le mettez dès le départ avant de mettre l'eau pour dans la marmite. Donc moi, je vais ajouter les pois chiches maintenant. Bien sûr, ça dépendra de la quantité que vous mettez des légumes. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser les légumes et tout, les pois chiches cuire. Et dès que le beurre cocos que j'ai laissé cuire à la vapeur sera cuit, je vais l'ajouter directement ici dans la marmite. Donc, je viens de retirer le beurre cocos de la couscoussière. Là, c'est la vapeur qui gêne un petit peu. Donc, j'essaie de le laisser un tout petit peu, 5 minutes maximum.
Je mélange avec donc la cuillère, juste, on n'ajoute rien du tout. Donc on le fait cuire à la vapeur juste une fois, pas plus, et on l'ajoute à la marmite. Maintenant, faut goûter donc vos légumes et la sauce. Si vous voyez que ça manque un petit peu avec les épices ou du sel, vous en ajoutez, pardon. Ou bien, si vous trouvez que c'est suffisant, vous laissez tel qu'il est et vous ajoutez. Bien sûr, si vous voyez que donc les légumes sont cuits, vous ajoutez le bœuf couscous qu'on a retiré tout à l'heure de la couscoussière. Bien sûr, on l'a laissé de côté quelques minutes. Dès que c'est cuit, donc les légumes, vous ajoutez le bœuf couscous. Vous le laissez 5 minutes environ. Avec, bien sûr, toujours le feu allumé. Et après 5 minutes, vous éteignez donc le feu et vous laissez donc le bœuf couscous absorber donc la sauce. Donc là, je laisse 5 minutes et j'éteins. Et je laisse encore un petit peu et je reviendrai après pour vous montrer donc sur un plat de présentation. Voilà donc, après avoir... laisser cuire. Maintenant, je vous montre juste dans une assiette. J'ajoute l'huile d'olive. Donc, un filet d'huile d'olive. C'est très bon donc avec l'huile. Donc, on mélange. Comme je vous ai dit, donc, vous ajoutez l'huile d'olive et vous mélangez. Bien sûr, pour être sûr que c'est cuit. Donc, comme je vous ai dit, quand vous ajoutez le bœuf couscous à votre marmite, donc vous laissez 5 minutes. Donc, excusez-moi un petit peu pour le bruit. Donc ici, quand je vous ai dit pour la cuisson, vous mettez donc votre donc le bœuf couscous dans votre marmite, vous laissez donc avec le feu allumé 5 minutes, vous éteignez le feu. Donc, et vous devez impérativement ou obligatoirement laisser donc d'abord que le bœuf couscous absorbe donc la sauce et donc vous regardez de temps en temps si c'est cuit, si c'est si ça a absorbé, et pour en être sûr, vous goûtez, faut toujours goûter donc à la fin pour voir si c'est cuit, si ça manque pas d'épices et tout. Donc là, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, en espérant aussi que ça n'a pas été très long pour vous, enfin pour la vidéo, mais j'ai essayé de faire au maximum, de vous expliquer comment je fais. Si vous avez aimé donc la vidéo et la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et à la prochaine recette, au revoir.